Des voyageurs avec un Pokémon. J'espère qu'ils n'auront pas l'audace de rentrer dans la grotte. Est-ce que vous pouvez m'expliquer de quoi elle a l'air particulier cette grotte? Pourtant, c'est bien ici où se planquent ces deux zigotos. J'ai cru comprendre que ça doit être la grotte des tops. La grotte des tops? Ah! Sous le nom de grotte sol. Grotte sol? Parce qu'il y a des caca? Mario, sois pas immature quand même! Bonjour tout le monde! Ah, salut Mario! Salut! Mais tu te souviens, c'est moi, Astérix, le Gaulois. Non. Salut Astérix. Ah, même ton frère me connaît. Dites, est-ce que tu sais où est-ce qu'il est, Waligi et Bandignan? Waligi, je sais où il se trouve là-bas, mais Bandignan, je sais pas qui est. Non, ne dis pas que vous allez entrer dans cette grotte. Si, pourquoi? Je tiens à vous prévenir un truc. Si vous entrez dans cette grotte, des choses horribles vont se passer. C'est ce qu'ils disent les rumeurs. Qu'importe, rumeur ou pas, on va y aller quand même. Mario, je te rappelle quand même que là, on n'a plus beaucoup de force à cause de la forme des papiers. Et tu veux qu'on sauve Ben et qu'on doit retrouver notre forme normale? Ouais. Alors on a que ça comme option. Bon, d'arrogance. Qui a parlé? Ce Gaulois n'a pas tort, vous savez. Ouhou. T'es qui, toi? Oh, un Winston Poe. Oh, voilà quelqu'un qui s'y connaît au Pokémon. Là où dans cette grotte, je trouve un aventurier qui refuse de faire entrer le moindre voyageur dans cette grotte. Comme c'est original. Comment ça, c'est pas original? Pas dans le monde de Pepperton. Bah, ils nous interdisent d'entrer aux voyageurs normaux. Seulement les personnages en papier. Voilà! Vous n'allez pas dire que c'est pas original? Si, quand même. Ah, qu'importe! Toi, tu as l'arrogance! Bon, je tiens à vous en prévenir un truc. Si vous voulez, éviter tout risque, n'y allez pas dans cette grotte! Et ignorer notre ami Ben. Et mon ami Hercule. Et Princesse Peach. Ouais, qu'importe, vous pouvez pas y aller, parce que c'est comme ça. Seul un Pokémon de type plante pourrait la faire. Mais je suis un Pokémon de type plante. Non, t'es un Pokémon de type... insecte. Non, je suis de type plante, je fais partie des starters de Kalos. Non, t'es juste un Pokémon sauvage. Mais pourquoi tu dis ça? Ce Winston Poe était vraiment bizarre. Bon, qu'importe. Apparemment, ils avaient dit qu'il y a un personnage de type sol. Mais il a dit que c'est dangereux. Mais c'est dangereux. La plupart des voyageurs entrent dans cette grotte ne sont même pas revenus. Enfin, si, ils sont revenus, mais couverts de honte et d'humiliation. Eh ben là, je trouve que quand même, on fera l'affaire. Mais pourquoi tu es un personnage au papier et tu pourrais rien faire? Moi, je te le dis, renoncer et reculer. Bon, comme moi, je vais le faire. Bah moi je vais pas renoncer, j'ai déjà vécu à des tas de situations et je vais pas m'enfuir juste pour ça. Eh ben Mario, tu es franchement dur à cuire. Ouais, je suis tout cœur avec toi. Moi pas, parce que franchement je risque de... Non, non, lâche-moi. Ils pourront jamais nous retrouver dans cette grotte. Enfin, même s'ils pourront nous retrouver, Pepper Mario et Pepper Luigi ne feront pas de face contre moi. Et même Marisson n'a pas résisté à mon attaque puissante. Faut dire qu'ils n'auront aucune chance. Ils pourront essayer de sauver Ben, mais c'est perdu d'avance. Là, je sens que notre victoire est franchement haute dans les mains. Et en plus, j'ai kidnappé la princesse Peach et l'ami de ce certain loup. Quoi? Oui, regarde, la princesse Peach est là et je sais plus qu'elle a... Mais pourquoi t'as fait ça, espèce d'abruti? Tu te rends
rendez pas compte, tu risques de détruire notre réputation. Ouais, bah dans le jeu Mario, c'est pas cette piste, elle doit être kidnappée, Mario doit la sauver. Mais putain de merde, tu te rends même pas compte que là, il y a une différence entre princesse kidnappée et réputation. Et surtout que Mario ne s'est même pas pris le temps d'intéresser à Peach. Ouais, mais quand même, respectez le contexte de Mario. Non, et en plus de ça, la princesse est une princesse. Tu sais ce que ça veut dire, au moins? Ça veut dire que notre réputation est finie. Voilà, boum, cassé, voilà. Et en plus, pourquoi tu as kidnappé ce certain Hercule? Bon, parce qu'il fallait un bon duo. Je te jure, quoi. Ah, j'ai mal à la tête. Oh, pauvre petit stylo. Il a vraiment mal. Ouais, mais sauf qu'il est pas petit. Ben, t'inquiète pas, je vais prendre soin pendant que pendant qu'il se soigne. Qu'est-ce qui m'est arrivé, hein? Je sens vraiment mal. Hey, tu es enfin revenu. Hey, dites, tu serais pas Princesse Peach par hasard? Oui. Tu es trop mignonne. Oh, merci. Tu es vraiment un gentleman. Oh, merci. Mais malheureusement, on me confond avec la princesse Peach méchante et égoïste. Oh, c'est le cas de le dire. Toi, tu es vraiment gentil, contrairement à elle. Oh, merci, mon petit mignon. Désolée, mais je sais que tu es grand et... Non, t'inquiète pas, tu peux dire petite en tant que tu voudras. Ah, je sens l'amour et je déteste l'amour. Oh, ils vont faire l'amour. Une femme va faire l'amour avec un stylo. Je t'en fais quand même que c'est une papier. C'est une princesse en papier. Oh, salut Papa Mario. Ah, il en manquait plus que ça. Voilà le zigoto. Et tu as oublié Luigi. Et Marisson. C'est perdu d'avance. Princesse Peach est emprisonnée. Il n'y a même pas de cage. Tu te fiches ma tête ou quoi? Ou ça se passe comment? Oh, tais-toi, tu n'as pas le droit de me critiquer. Moi, Luigi, le plus stratège. Qu'importe. Alors Marisson, ça s'est passé comment la dernière défaite? Je t'assure que là, cette fois, cette raclée que tu m'as donnée, je vais pas l'oublier. Et cette fois-ci, je te ferai pas de cadeau. Ouais, pareil pour moi. As-tu oublié que le fait que maintenant que vous êtes devenus des personnages en papier, vous ne pourrez rien faire maintenant? Vu que votre puissance est basse, et j'ai même pas révélé ma véritable puissance. Donc Luigi, je vais te donner une raclée comme tu me l'as fait à moi. Oh Mario, bonne chance. Fais gaffe, Mario, en réalité, Bandinian cache une véritable puissance. Alors franchement, c'est vraiment mal barré pour nous. Mais on va pas baisser les bras pour autant, hein. Ouah, je vais tous vous défoncer, bande de crottins que vous êtes. Ok. Point de feu. Hein? Mais pourquoi j'arrive pas à utiliser l'attaque point de feu? Point éclair? Quoi? Ah, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez plus utiliser les capacités. Vous pouvez utiliser seulement les capacités normales. C'est pas vrai. Bon, je peux au moins utiliser l'attaque saut. Oh, ça fait mal. Espèce de malade mental, va. Bah, je vais te montrer c'est quoi être une vraie malade mentale. Quoi? Je pensais que j'ai perdu de force. Non, je pèse seulement 1 kg, bande de crottins. Espèce de malade. Tu voulais me rendre en urgence, c'est ça? Ok, canorel. Non. Oh. Incapable. Bon, cette fois-ci. Allez, attaque griffombre. Là, cette fois, je retiens les coups. C'est bien. Bon, l'attaque saut. Pcha, 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 pcha.
J'ai comme l'impression de me faire attaquer par des moustiques. Ça fait mal, mais pas en tant que ça. Ah, c'est pas possible. Bon, attaque, point normal. Canon grêle. Point normal. Ça, je dois admettre que le canon grêle de Marisson fait mal. Mais vous deux, vous ne faites rien. Griffon. Aïe, ça fait vraiment mal que le griffon normal. Je te l'avais dit que ça va faire vraiment mal. Oh, heureusement que tu t'es préparé au mieux. Bon, point normal. Point normal aussi. Même si, bon, je suis en train de me lasser à cette attaque. Canon grêle. Ballon. C'est bizarre, la dernière fois j'ai réussi à te mettre KO en un coup. C'est parce que j'étais même pas préparé. Cette fois, je me suis préparé au mieux. Même si bon, je commence à perdre. Force. Alors là, franchement, c'est peut-être perdu. Bon, il faudrait qu'on utilise une capacité. Luigi, unissons nos forces. Hein? Unissons nos forces. Utilisons l'attaque frère. Ok. Mais en version papier, ça va être compliqué. Tu veux qu'on gagne? Ok. Point normal combiné. C'est incroyable. Autant le point normal était faisait vraiment mal, mais là, cette fois, c'est un véritable calvaire. Et maintenant, pour en finir, marteau bois. Super! On l'a fait! Bien joué Mario, top là! Même en personnage en papier, vous gérez! Bravo! Vous avez réussi! Vous avez montré c'est qui le patron! Oh, bravo! Vous avez réussi Mario! Waluigi! Tu es censé m'encourager! Oh! T'es le méchant, Bolignan! Crétin, double crétin! Bon, vous avez gagné peut-être, mais je refuse de relâcher Princess Peach, Ben et... Oh, franchement, tu me saoules. Tu es franchement pas gentil du tout, et ça, j'en pèse les mots. Je peux me libérer d'un coup? Lou, où es-tu? Je suis là. Oh tiens, salut Lou. Alors, ça va? Ça va. Pourquoi? Après ton attaque que tu viens de recevoir. Je suis un loup solitaire. Ah bah cool. Tu sais ce que ça veut dire, loup solitaire au moins? Ça veut dire pleurer comme un bébé. Sans commentaire. Waluigi, je t'avais dit de vous préparer une cage. Mais au lieu de ça, tu les as laissés enfuir. Oh, mais les cages, c'est trop méchant. Vaudrait bien laisser... d'après ce que dit ma maman, faut pas laisser les chiens dans les cages. Ils ont le droit de se promener un peu. Qui ose me déranger pendant mon petit promenade en tunnel? Qui a parlé? Oh, ce serait pas un certain... Vous osez me déranger. Et ça, franchement, ça me plaît pas du tout. Bon, toi, vous deux, vous commencez à me saouler et partons-nous. Ah, ah, hey, faut vite les récupérer. Vous avez osé faire un combat dans ce tunnel. Et ça me plaît pas du tout. Donc, je vais devoir vous battre. Pourquoi? Vous avez écouté. Et sache que je suis un combattant très expérimenté. Moi, Timon, le gardien du monde de ma grotte, je vous lance un duel. Oh, c'est pas vrai. Et dire qu'on allait régler ses affaires. Ben, est-ce que tu te sens prêt pour l'attaque? Ok. Bonne chance, Ben.
Très bien, je vais devoir utiliser l'attaque séisme. Quoi? Comment tu peux essayer d'utiliser l'attaque séisme avec ton corps? Pshaw! 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 Non, Ben! Oh non! Ben! Ben! C'est pas drôle comme blague. Mais je fais bon Dieu, je suis pas payé pour cela. Ça fait vraiment mal. Canon Ben! Pas de pote! Aïe, ça fait vraiment mal. Bon, on va réessayer la même attaque. Ok, point normal, j'utilise. Bon, gribouillage. Maintenant, je sais utiliser l'attaque séisme. Et séisme. Non, 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 non. Aïe. K.O. Aïe. Tu n'as pas le droit de copier mon attaque. Oh, Ben, qu'est-ce qui t'a appris de faire ça? Oh non. Autant pour moi. Bon. Je crois que l'attaque séisme serait un peu trop lassant. Bon. Très bien. Je vais devoir utiliser l'attaque tête de fer. Comment est-ce qu'un combattant type sol peut utiliser... Pshaw. Oh non, Ben, est-ce que ça va? Ah, alors là, c'est fichu. Cette fois, on n'a plus beaucoup d'énergie. Et lui, il va nous battre. Pas si sûr, mon gars. Pas si sûr, quoi? J'ai retenu un truc dans Stick Star. Oh, Mario, tu vas quand même pas faire un clin d'œil d'un jeu vidéo. Oh, il faut que je le fasse. Ok, je vais devoir utiliser l'attaque Sticker. Mario, on n'a même pas de sticker. Qu'est-ce que... L'attaque du balai. C'est quoi ce beat? C'était plutôt facile. Mario, comment t'as fait pour faire ces techniques? J'ai croisé le sticker en cours de chemin. Pourquoi tu ne nous avais pas dit? Parce que... Mais je pense que je peux utiliser tes techniques uniquement quand je suis en Paper Mario. D'accord. J'aurais peut-être pas dû surestimer les attaques devenant d'un personnage en papier. Bon. Je me dois des excuses. Volez les cristals en tant que vous voulez. Ça m'est égal. Mais on n'est pas venu pour les cristals. On est venu pour sauver nos amis. Ah bon? Ouais, ouais. Oh, autant pour moi. Vous savez, certains voyageurs essaient de d'entrer dans la grotte pour voler mes cristals. En parlant de cristal... Oh non, c'est vrai! Bandignan et Waluigi, ils sont peut-être là-bas. On va peut-être... On va les empêcher. Mario, attends, on n'a plus beaucoup de force. Oh, pourquoi il n'en fait qu'à sa tête? Moi, je vais prendre soin de Ben en attendant. Pareil pour moi. Enfin, si tu me déranges pas. Absolument pas. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On tient pas à faire des figurants, hein? Ok, c'est ça. On n'a qu'à faire les figurants. Ouais. Finalement, on a trouvé beaucoup de matériaux nécessaires. Ouais, grâce à moi. Sans commentaire. Hey, vous là. Ouais, vous. Vous arrivez trop tard. J'ai réussi à dérober tous les cristals. Quoi? Comment vous avez fait? Pendant votre combat, bien sûr. On va vous en empêcher cette fois, en utilisant mon attaque... Ah non, j'ai que ça pour ta sticker, merde. Ouh! Ouh, ouh, ouh! Vous êtes nuls! Tu as besoin de rajouter le commentaire. Mais enfin bref, vous êtes des adversaires plutôt coriaces, je dois quand même vous admettre. Mais la guerre n'est pas encore finie.
Et pour cela, malheureusement, le combat, je vais s'arrêtera jusqu'à la prochaine fois. Là, pour le moment, on va s'enfuir. Grâce à mon attaque tunnel. Allez, viens, Waluigi. Ok. Non! Il a réussi à boucher le tunnel. Comment il a fait pour boucher aussi rapidement? Oh, c'est pas vrai. Oh, je crains qu'on va devoir annoncer la mauvaise nouvelle à Timon. Oh, c'est pas vrai. Dire qu'on était de droit au but. Tout ça, c'est ma faute. Non, Mario, ne dis pas ça. Pourquoi? On aurait peut-être dû passer le combat. Non, Mario. On n'avait pas le choix, de toute façon. On trouvera Bowser Jr. C'est vrai. Bon, franchement, je suis dégoûté que le fait qu'ils ont volé mes cristals. Mais ne vous en faites pas, j'en trouverai d'autres. Heureusement que vous avez quand même un esprit sain. Ouais, c'est le cas de le dire. Oh, 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 finalement, je vais redire ce que j'ai dit. Vous êtes plutôt des bons combattants. Oh, 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 oh. Et tout ça grâce à mon sticker. Ouais, c'est clair. Ben, en tout cas, merci de vouloir essayer de protéger tes amis. J'espère que tu n'as pas vraiment sauvé les amis, mais tu mérites ceci. Bon, ça suffit. Ben, est-ce que tu pourrais nous faire revenir à la normale? Mais vous êtes mignon comme ça. Ben! Ok, d'accord. Ah non, ils étaient comme ça depuis le début? Ouais, c'est le cas de le dire. Oh! Ah, j'aime bien le film Pepper, mais en tout cas, j'aime bien. J'aime bien quand je suis redevenu normal. C'est clair. Ah, ça fait du bien. Finalement, j'avais peut-être tort. Les personnages fort normaux sont peut-être pas si mauvais que ça. C'est juste que tu as rencontré la mauvaise personne. C'est clair. Donc, Hé, nous alors? On fait pas de soucis pour nous? En tout cas, merci Hercule et Lou pour avoir... Ouais, c'est ça, vous nous trouvez peut-être inutile, mais en tout cas, on est les meilleurs des duos. Ouais, les meilleurs des duos, allez, on a quand même d'autres voyages à faire. Ouais, 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 ouais. Ouais, ils vont jusqu'au bout, hein. C'est le quart de le dire, moi j'ai plus rien à faire, Bowser Junior, il doit être quelque part. Et là, sur le coup, on n'a plus de piste. Là, je crois que la seule chose à faire, c'est de retourner à la ville des aventuriers. En tout cas, vous êtes les bienvenus dans la grotte. Merci, Timon. Bon, on y va? Attends, j'aimerais bien rester avec ma petite copine. Ta petite copine? Ta petite copine? Waouh, tu en as de la chance. Comment tu fais pour être amoureux directement? Pas... Moi, je suis un stylo et elle, c'est une papier. Et on est fait pour le faire l'un fois l'autre. Ben, je pense que la priorité la plus importante, c'est... c'est chercher Bowser Junior. Et en plus, là, on est fatigué. Donc le mieux, c'est de se reposer vers la vie des aventuriers. Mais j'aimerais bien rester avec elle. Bon, d'accord. Je crois qu'on va devoir... se séparer. Oh, c'est vraiment dommage. Moi qui espérais trouver un petit ami. Mais t'inquiète pas, on se donne en contact. Oui. Bon au revoir Ben. Au revoir Princess Peach. Au revoir. Au revoir. Bon, allons vers l'hôtel. Vers la ville des aventuriers. C'est beau l'amour, tu sais. Ouais, c'est le cas de le dire. Vraiment le cas de le dire.